Nous avons éloigné la flotte fédérée. Mais l'usine est toujours gardée par un navire. Un destroyer disposant d'armes de pointe. Son armement empêche toute attaque aérienne. Mais il est vulnérable à un endroit. 15 mètres sous la ligne de flottaison, près du port d'échappement thermique du navire. Jolie, tu l'as eu! Vous avez deux ennemis qui approchent plus bas. Merde. On dirait une sorte de satellite. Avec un sacré système d'armement. Scarecrow, on l'a trouvé. On dirait de l'armement spatial. Bien reçu, leader. Établissez un flux pour... On est sauvé ! Bien joué, Kay. On a détruit l'unité 24, mais où sont les 23 autres ? Eh ben, il y en aura pas un 25e. Le J-SOC va nous indiquer quoi faire. Il est temps de rentrer, les gars. Nos pires craintes se confirment. La Fédération est parvenue à reproduire un système d'armement spatial à partir de l'épave de l'Oka. Il sera opérationnel dans combien de temps? Je l'ignore. On a transmis les données récupérées au NORAD. Le secrétaire à la Défense exige un débrief. Keegan, je t'envoie à Colorado Springs. À vos ordres. On se donne rendez-vous à l'entrepôt de Las Vegas demain, à midi pile. Le J-SOC voudra agir vite sur ce coup, alors c'est pas le moment de dormir. On a 6 heures jusqu'au retour de Keegan. Attends. Rien te semble suspect. Qui la sécurité. Qui la salaï. Allez, on est go. On va commencer le... Quel numéro déjà? 9. Oula. 9. Oula. C'est clair. En même temps, tu vois mal un Call of Duty tourner pendant 2 ans, en de rien faire, sans tirer au pistolet. Dans ce cas-là, ce serait plus un Call of Duty. Hein. C'est sûr. Attends, les Ghosts traversent des champs entiers ennemis, et là, ils sont à voir pitoyablement. Bah ouais. Ça sent le mort d'un des ghosts. Ça sent surtout la mort d'un des ghosts. Ouais. Je trouve qu'ils sont capturés, il y en a un qui meurt. En même temps, ils se sont capturés qu'une fois. Hein. Ah, t'es réveillé. Bien. Bon, je sais, je pas de enfin réunie. Il va passer un mille quart d'heure. Mais la torture, c'est clair et net. Où est Keegan? Tu sais bien que je te dirai jamais rien. Vraiment? Attends, peut-être que je peux te convaincre. Ah, mais je te l'avais dit. On attend sagement son tour. Logan, regarde-moi! Regarde-moi, fils! Et ça, regarde-le. Voilà. Entre lui, à quel point il te fait souffrir. Il y a un truc marrant avec votre paternel. Il est mort. Il laisse crever ses hommes avec ses vaisseaux. Putain, j'étais très dans le bouchon. Ça se passe entre toi et moi. T'en prends pas à mes gamins. Tu t'adresses à un supérieur, lieutenant. Un peu de discipline. T'as jamais fait partie des nôtres. T'es pas un ghost. Ouais, parce que je suis meilleur que toi. J'ai toujours été meilleur que vous. Mais toi, tu te prends pour un ghost. Il est noir qu'il est attaché à ce truc. Toi et tes fils, vous êtes morts. Ton nom mourra avec toi. Mais c'est qu'il a encore du jus. On t'a jamais dit qu'il faut pas pointer une arme sur les gens. C'est très dangereux. C'est ça. Vise un peu plus. Par là. Allez. Pointe-le sur... Logan. Tu pètes le feu, gamin.
Hey, j'aime ça. Risquer sa vie pour sauver son capitaine. Tu devrais en prendre de la graine, Elias. C'est mon fils. Bien. Là, il va devoir te regarder mourir. Et un petit coup dans la gueule. Oh putain. Ah non, toi. Je suis fier de toi, Lucas. Je sais que tu t'en sortiras. Très bien. Non, oh, tu as raison, Elias. Je ne suis pas un ghost. Je suis celui qui les traque et qui les renvoie de l'autre côté. Je l'avais dit qu'il y en a un qui mourrait. Je m'attendais pas à ce que ce soit le capitaine, mais bon. Remarque, dans tous les Call of Duty, c'est le capitaine qui y passe. Pratiquement. Non, je me trompe. Dans tous les Call of Duty, ils meurent tous. Sauf un. Le joueur. Donc lui il va mourir, on va tous mourir. Ah, le Keegan vient d'arriver là, je pense. Ça va, Merrick? Une côte cassée. Mais eh ben, il a pas pu venir plus tôt. Keegan, on est en train d'avancer. Venez dès que vous pouvez. Ah, ouais, il y a des super armes. On peut la piquer aussi. On doit atteindre le côté ouest du bâtiment. C'est notre meilleure chance de. Laquelle d'arme? C'est là. Celle-là? Celle que j'ai pris? Ouais, pas mal, celle-là. J'aime beaucoup cette arme. Logan, par ici. Vite. Attends. Allez, on règle ça. C'est quoi, c'est pas une tarte, ça? C'est une... C'est tarte? Ouais. Ah, j'adore cette arme. Toujours plaisir. C'est bon. Ah oui, c'est une tarte génétique. Où est Keegan? Il arrive. Oh, tu pourrais au moins rigoler. Oui. Cette radio. On touche pas à la motard. Ils ont dû nous entendre. Ils ont voulu renfort vers nous. En direction de la cuisine, pourquoi? Combien? Ah, bon sang! Putain de... Cassette. Ça va, il est bien fait, le motard. On est des vrais goûts. Maintenant. Ah ben. Logan, là-dedans. C'est quoi, c'est passé dans le cadre là. Baissez la radio. El ruido venía de ahí. Revisen las esquinas, no dejen nada a la suerte. Rodrigo, mira ahí. Ahora mismo. Terre. Terre. Je peux les tuer. Non. Bah, il allait nous découvrir. Et tu me diras, j'aurais peut-être dû y aller au couteau plutôt que au gros flingue. Ou tard, ouais. Cette radio. On peut mettre de la distance entre eux et nous. Ils ont dû nous entendre. De toute façon, on est le gosse, hein. En direction de la cuisine, pourquoi on est... C'est ça. Combien? Attends. Ah, bon sang. Je vais prendre celui-là et je vais le reprendre. Il me semble que c'était bien le tard. Il ressemble au tard. Ouais. C'est peut-être pas le tard 21. Ah, c'est le M-tard. C'est une variante, c'est toujours un tard. Oui, non, mais c'est pas le tard 21, je veux dire, comme j'ai dit. C'est pas le tard, c'est un tard. Ouais. C'est la même famille, j'ai dit. Ouais, c'est le même modèle, la coque est plus ou moins la même. Logan, là-dedans. Même l'arme, même. Sauf qu'il est plus fin. Plus léger. Le M-tard. Si, mais... quelques secondes. Ouais, ce qui me fait rire, c'est que le capitaine est mort, ils en ont pas reparlé une seule fois pour l'instant. Oh. Tu
tu me diras, ils sont en pleine ils sont occupés à survivre. C'est après qu'ils vont, quand ils seront en sécurité, qu'ils commenceront à en parler. C'est pas leur père un peu, le capitaine. Un bruit. Il va y en avoir d'autres. Tu l'ouvres le feu. Chut. Ouais. Personne ne bouge. Ouais, c'est carrément, ça ressemble trop à un tar. Un tabac. Allez, t'as trois photos. Merci pour l'annonce, enfoiré. Attendez, il y en a d'autres qui arrivent. On pourra pas les contourner. Attendez qu'ils approchent. Ouais. Allez, Keegan, c'est parti. Il croyait que j'allais le laisser en paroute de l'air. Ou... Moi j'ai peut-être pas attendu tant qu'il le plaît, mais. Je suis même pas sûr qu'ils aient été tués par la grenade. Ils ont pris des dégâts, ça oui, mais. Je suis pas certain qu'ils aient été tués. Y'a qu'un pas mec qui s'est pas relevé. J'avais que j'étais occupé à regarder de l'autre côté si... pour commencer à viser de l'autre côté, je croyais qu'ils seraient tous morts, donc j'ai visé à... directement. Oui. Parce que gauche, il y en aura aucun qui serait mort, quoi. C'est bon. Ah non, ce con, il est couché. Putain, j'ai pas fait gaffe au début parce que ce con était couché. Ce petit con était couché. Petit con quand même. Putain, mais ils sont combien? Ils sont en armée. Bah ouais. En même temps, on doit être un petit peu dans leur base. C'est ça, je dis rien. Même pas de grenade, ça c'est cool. Bon, déjà, tu me diras où est-ce qu'il a été ramassé la grenade que j'ai balancée. Puisqu'il était prisonnier, mais bon. Et comment il a pu ramasser cette arme aussi, hein. Le tar, je peux comprendre, mais celui-là. C'est moi qui l'ai ramassé. Non, mais je veux dire, la grenade, ça me terrifie. Les soldats à ramassage automatique. Ça doit être pratique, ça. Le mec, il a même pas besoin de fouiller le mec, il passe dessus, il marche dessus, il recule et hop, il a ramassé les grenades, les munitions. Donc, un jeu réaliste, il faudrait. Ça ne ramasse pas les. Il retrouve d'animation à faire. Un peu comme Arma, je sais pas si dans Arma ça ramasse les munitions ou quoi. Je sais plus. En tout cas, je sais que c'est un truc de malade. Que t'as pas intérêt à courir une seule seconde, sinon c'est un peu comme si t'étais en vétéran tout le temps. Même en normal, facile. Ça fait mal. Tu fais quoi? C'est juste qu'il me démange. Merde. Oui, je suis à mon avis. Avancer. C'est... Là, il y a un autre, il peut sûrement avancer. De toute façon, j'ai plus de munitions. Donc... D'ailleurs, c'est un des trucs que j'aime pas dans les Call of, c'est que s'il y a des endroits, si t'avances pas, ils vont revenir pendant 40 ans, quoi. Il y aura une putain d'armée. Hein? Il y aura une putain d'armée.
Ouais, bon, ici à la limite t'es dans leur base, mais il y a des endroits t'es absolument pas de leur base. Il y aurait aucune logique à ce qu'ils viennent indéfiniment. Mais si ça tombe, ils ont fixé un nombre. Hein. Peut-être 1000 soldats peuvent venir. Hein. Et après, si t'en as tué 1000. Mais bon, là je sais ce qu'il va. Je crois pas que ce matin va un petit peu autant. Non, c'est autre la même animation. Lancer, relancer, relancer. Je crois que tu n'enclenches pas la truc. Une autre. Voilà. Bon, alors à toi. Ah, au moins, ah non, non, c'est les gros, c'est les machins comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je crois que j'en vois pas d'autres. Hein. Enfin, je vais dire dans ce coin-ci. Vaut mieux tout casser. De toute façon, j'ai tout cassé, hein, je pense. Non, c'est parce que après le truc, il y en a sur le balcon. Il faut casser combien? 20, 21, ouais, voilà. C'est bon, il y en a plus que suffisant. En fait, dans la salle, c'est un trophée qui peut être manqué parce que si tu veux, il y en a pas assez pour faire le trophée complet plus dans trop. La salle. Restez du côté gauche, on sera bientôt sorti. Il faut en casser au moins deux sur le balcon. Reculez, reculez. Ça fait que. Ouais, ça... Il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup de munitions. Ah, aïe aïe. Par ici, allez, 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 allez. Bon, à mon avis, elle est assez courte la mission. Oh putain, oui, ah. Effectivement, je pense qu'elle doit être assez courte. Oh, bah. Passer par la fenêtre, sans être sûr de là où on va, ça c'est fait. Et vous, Merrick? Je vais bien. Mais on doit bouger avant que ces hélicos découvrent où on est. Si on peut atteindre la piste, je nous trouverai un moyen de sortir de là. Doucement. Ils seront plus nombreux que nous. Je tiens à rappeler quand même, ceux qui l'oublient, que mon perso s'est pris 3 balles dans le bide. Enfin, une balle dans le bide. Il pouvait à peine bouger pour attraper le mec. Et qu'il il avait plus assez de force pour se défendre pour ne pas tirer sur son père. Et là, il se porte comme un charme. Il me dira que Call of Duty n'est pas et ne sera jamais un jeu réaliste, hein, mais quand même. Peut-être un jour. Attends, c'est mal. C'est comme un film. Mais viens ici, toi. Merde. Qui est ce chien? Il s'est pris une balle. Oh non. Il va mourir. Beaucoup de balles, hein. Oh, et là je crois qu'il vient de se prendre une grenade. Je crois aussi. Et il survient. Et il est cher. Ok, ok. Oh putain. Non, rien. Contacte ennemi à l'armée. Tenemos demasiados heridos. Deberíamos retirarnos.
ici. Logan, prends Riley. Le cheval, le chien est derrière de tout noir. C'est quoi? Depuis tout à l'heure, enfin depuis le début, combien de fois je lui ai pas tiré dessus. Il se prend une attaque de loup, il se relève et il marche comme si de rien n'était. Pour les scénarios, évidemment, il faut qu'il se sorte une balle. Pour attendre le joueur. Le pauvre petit chien numérique. Quel con de chien. C'est pas grave le chien. Il a l'épreuve des balles. C'est un chien bionique. C'est crypto. Biodoc. Biodoc. Ouais, c'est crypto. Crypto, ouais. Le chien de Superman. De Superman. faut pas que ce soit des grenades à la kryptonite. Hein. Bon, je crois pas que ça existe. C'est un chien qui survit à tout, je pense pas du tout. On peut vous ramener à la maison si vous voulez. Ça ouais. Allez, Logan, on se tire. QG ici, Prince 2-0, c'est bon, on retourne à la base. Et voilà. Je vous reçois. Ah, bien joué, 2-0. Si jamais un ghost se fait tuer, on retourne sa dépouille face contre terre. Et on oriente sa tête vers son pays. Son arme est placée à côté de lui. Si on fait comme ça, c'est pour qu'une fois de l'autre côté, nos chers disparus puisse veiller sur nous et garder un œil sur l'ennemi. Mon père était mort, on pouvait rien y faire. Mais Logan et moi, nous étions toujours là. La Fédération était toujours là. Rourke était toujours là. Cette guerre n'en était qu'à son début. Adieu, papa. Je ne prendrai jamais ta place. Mais je mourrai en essayant. USS Liberator, ici Phantom 2-2, en approche finale. Bien reçu, Phantom 2-2, autorisation d'atterrir, le pont est prêt. Merrick, il faut qu'on le poursuive! Il me faut Rourke! Négatif, Ash. Les satellites de la Fédération se mettent en position. S'ils les activent, les fédérés pourront frapper n'importe où dans le monde. C'est quoi le plan? On prend le risque de perdre tout ce qui nous reste, y compris notre dernier porte-avions. Et on attaque la Fédération sur son territoire, au sol et dans les airs. C'est tout ou rien. Pour l'assaut, il faudra une équipe Ghost au sol. On sera prêt. Et c'est toi qui commanderas, Ash. Vous venez pas? Je serai en soutien. Je coordonnerai vos ressources. Ton père était un grand homme. Un grand chef. Et il a vu le même potentiel en vous deux. Tiens, Logan. Ça lui appartenait. Désolé, t'as fait ton travail. Tu pars avec Merrick. Ça va aller. À toutes les unités, forces fédérées dans notre espace aérien. Présentez-vous à votre poste pour interception. Niveau d'alerte 5. On les aide à nettoyer le pont et on trouve un moyen d'atteindre la base satellite. Nous sommes abordés à toutes les unités, je répète, nous sommes abordés. Non mais c'est le Merrick. Avec des satellites opérationnels, t'as deux gosses, c'est Merrick et... Et le deuxième, je sais pas son nom, ils vont revenir. Et c'est Ash qui prend la tête des ghosts sur le terrain. Ouf. Ouais. Oh, tu me diras, ça n'a rien à voir, il a peut-être un grade supérieur. C'est juste que c'est une unité secrète. Mais bon, quand même.
Pourquoi tu as ce truc-là, toi ? C'est des ennemis ? On est à portée. Il y avait quand même des marins là-dessus. 10 autres ennemis en approche, niveau d'alerte 5, tous sur le pont. Négatif. Oui, parce que... Ils sont partout. Cible secondaire en approche à Zulu 1-9. T'as encore ton tas. C'est un autre, c'est pas exactement lui. Je me demande si celui-là c'est pas... T'as rien là. Tu peux te penser tout à l'heure, ça ? Non. C'est pas israélien. Ça me manque. Vous m'aurez pas besoin de fiat. Une grenade. Ah. Avec moi. C'est grave. Ouais, mais faut un minimum débarrasser de planche. À peine un litre. Je vais écouter un 3-6 qui arrive. Il sera prêt à décoller dans 2 minutes. Utilise les commandes de visée, va falloir quitter les largages. Attends, et l'armée américaine n'a plus qu'un seul porte-avions, c'est ça? Sous les 12, bien chef, les hélicos sont en route, mais il faudra plus de 10 minutes à ce transport. Sous les 12 porte-avions. Toi, tu n'as rien? Sur les porte-avions. Je savais pas qu'il y a 12 porte-avions. Non. La France en a des deux, c'est moins qu'un seul, et la... Les Américains n'en avaient qu'un, ils en avaient deux. Il y en a un qui va, voilà. Faut que j'attende. Et en fait, il va monter quand je vois qu'il commence à monter. Et il commence à monter, hop, on le fait tomber. Ouais. Généralement les trophées sont assez simples, mais il faut exactement savoir comment ils se déroulent. Parce que même en sachant comment ils se déroulent entre guillemets. Comment ils se déroulent. Bah oui. Le trophée ça se déroule hein. Ça se déroule. Allez. C'est canard. C'est quoi ton nom? C'est quoi ça déjà? Un drone? Un drone? C'est un drone, on va dire. Oula, oula, il me semble qu'il vole un peu bas là. Non? C'est un drone? Ça se fait dame. Ah non, mais c'est parce que. Il me semblait qu'il descendait vachement bas quand même. Il y en a une arme. Ouais. Et généralement, ça s'appelle une armure. C'est pas pour rien, quoi. Ah là, je crois que je viens de toucher notre bateau, mais bon. Allez Logan. Il faut quitter ce pont. Ouais, j'ai cru que j'étais mort, mais en fait non, c'était encore un bombardement cinématique. Juste faire oh, regardez comment on vient de se faire assommer et ça. Avec la tablette, je coupe. Logan peut détruire cet avion de combat. Ah. Non, les ralentis sont super. Il me dit avec la tablette, je suis de ma gueule. Marque les cibles avec cette tablette. Le v'là, un
avion de combat fédéré. Vite, cet avion de combat. C'est vraiment costaud ces ordinateurs. Je me les mets. L'avion de combat fédéré. Concentre-toi sur ces hélicos. Pourquoi il utilise pas un trou drone? Il pourrait, mais il doit être vide, je ne sais pas. Oh. Il tombe comme des mouches. Avec des missiles, c'est normal. Tu casses ma joie, toi. Comment t'es... pas gentil. Pas permis de me casser mon trip là. Je te demande de tirer un missile, c'est pas la peine de tirer deux. Avec un seul il... Ah merde. Les véhicules de transport sont partis vers la base satellite. Ça c'est cool. Bien joué, le porte-avions est OK. On rejoint l'assaut principal. Et évidemment on a abattu l'avion, conclusion, t'as ta batterie de missile qui HS, évidemment. Les satellites sont opérationnels. C'est ça, préparez-vous à l'impact. Alerte. Faudrait pas qu'on soit trop plus fou. Go, go, go. Sinon, on est plus dégâts. La touche de fond. C'est vraiment marrant ce... Attention à la frais. Ce qu'on appelle le... Attention. Pas parce que là, Ah, c'est exactement ce que j'allais dire. c'est ce que j'allais dire. J'adore ce qu'on appelle l'espionnage industriel. Parce que tu vas pas me dire qu'il y en a un ou l'autre qui a pas eu l'information comme quoi il est allé avoir exactement cette scène-là dans le jeu concurrent. On détruit la base satellite, sinon cette guerre est finie. Trop ça. Il y a la même scène sur Call of Duty, Battlefield 4. Bon, maintenant, on ne dit pas que Call of Duty a triché sur Battlefield, ça peut être Battlefield qui a triché sur Call of Duty. On dit juste que ils savent pas être originaux et faire quelque chose. Non. Déjà, leurs jeux sont super pas originaux du tout. Il faut en plus qu'ils fassent exactement le même que l'autre. Après, tant qu'ils font du business. Heureusement. Si on est assez con pour aller acheter leur machin, ils vont pas se priver. C'est vrai. Hein. Parachute prêt. Blindé prêt. Dégagez la zone pour le largage. C'est pour ça que j'attendrai Battlefield s'il est toujours aussi orienté Call of Duty, on va dire, pour le 5, je le prendrai pas. Moi, il me faut du Battlefield, pas du Call of Duty. J'aime bien jouer à Call of Duty pour jouer à du Call of et du Battlefield pour jouer à du Battlefield et avoir des champs de bataille énormes. Pas des champs de bataille qui font 3 mètres carrés. Bah, c'est exactement ça le 4. Les trucs font 3 mètres carrés. T'apparais, t'es direct sur l'ennemi. J'aime bien quand il faut parcourir quelques kilomètres. Bon, par exemple, pas non plus 5000. Hein. Un peu comme Bad Company. Ouais. Ouais, et maintenant on va se prendre pour on va tirer avec le canon pour ralentir la fuite. C'était dans quoi ça? Dans le Costa Tobias. Agent Touriste. Oui, non, mais Agent Touriste c'est inspiré en fait. T'avais un jeu où justement tu regardais en arrière et tu tirais, ça faisait accès. Ah, mais je crois que c'est GTA. C'est un des GTA. Tu regardais derrière toi, tu tirais, ton char il fonçait comme c'est pas possible. En fait, ça accélérait ton char. T'avais une de ces allures avec le char quand tu tirais derrière toi. Et ça, ça rappelle pas aussi Battlefield 3. Ouais. Bon, ça à la limite c'est pas du tricher, et puis c'est ça qui me fait rire aussi, c'est que Call of Duty fait du Battlefield et Battlefield du Call of, c'est n'importe quoi. Je me plains pas qu'il y ait des scènes
de combat avec des chars et tout ça, mais bon voilà quoi, ça fait pas très... Je trouve... Ah. Merde, où est-ce qu'il est, le troisième hélico? Pourquoi c'est un défi de tuer? Ouais, il faut battre trois hélicos avec trois missiles. Mais dis-moi qu'il n'y a pas tout le monde. Bah apparemment, si. Ah. Comment alors? Oh, non, c'est là, c'est sûr et certain, c'est là. Mais le problème, c'est que avec cette visée hyper près, je vois rien du tout à ce que je fais. Tu vois, hein? Mais il y a un missile qui tire du ciel, alors je pense qu'il y en a un. Regarde. Pas hésiter à faire ça quand on loupe. Là, c'est je ne. Oh merde. Si je le rate, je le recommence pas. Mais c'est juste pour dire qu'il faut pas hésiter à recommencer si vous avez pas le trophée. Ici, il y a trois hélicos, c'est sûr et certain. Ah, autant les autres, je suis pas sûr et certain du moment où ça. Mais j'ai dit autant, je suis pas sûr pour les autres endroits, mais. Ici, je suis sûr que c'est là. Ouais, ça tire pas mal. Voilà, il y en a un. Et un troisième. Voilà. Moi, ça. Non, il est pas compliqué, c'est juste ce triangle pour retirer le. C'est plus facile de retirer le viseur. Pour garder où ils sont passés. Essayer de les trouver avec le viseur, c'est pas très pratique. Faut avouer quand même. Pas très pratique et pas très malin. Mais bon, on va passer ce détail. Voilà. Attention, hein. Ne cousit pas le chat de l'autre. Non, je sais pas comment le faire, mais... Yeah! Attends, tout ça, tu laisses tout. Ouais? Boum! Je peux les lancer, mais c'est là. Et après, il y a quoi? Ah, ici, il faut changer ici. Oh, on est pas loin de la fin. Ah! Parce que c'est là, par niveau. Il y en a déjà 15, c'est ça? Ouais, voilà, c'est le portail total. Ça c'est 16e. Donc il reste encore 2, 3 secondes. Ah, ils vont arrêter 2 secondes de tirer dans le cul. J'aimerais bien essayer de les dégommer. Aïe, le mur. Parce que si je suis pas perpendiculaire, ça va pas faire.
Moi, j'ai peut-être visé les objectifs plutôt que tirer sur des avions qui n'ont rien à voir avec le prix. Au moins, ils sont là pour pas te cacher, tu vois. Et je vais éviter de me faire ça. Par contre, ils sont super fragiles, hein, les chars. Un peu, oui. Je veux bien, c'est, encore une fois, c'est du deuxième classe, mais bon. Ils sont vachement. Oui. C'est même pas du plastique, c'est du carton pâte. En plus, les chars, même, c'est du plastique. Badger 1-1, rejoignez le 4ème bataillon et foncez vers Echo 3-2. Capture de cible prioritaire en cours à Foxtrot 9. Équipe Ghost active, je répète, les Ghosts sont en route. Oula, c'est quoi? Bah maintenant on va aller à pied, je pense. Parce qu'on n'a pas ramassé de documents. T'es derrière la base? Ouais, on va aller dans la base. Le minigun il fait un bruit mais vraiment horrible. Ah ouais? Ah oui, dans le genre on dirait des petits pétards mouillés. Dans le genre, franchement, on fait mieux. Je dis pas que le vrai ne fait pas ce bruit là, mais je n'ai jamais entendu un vrai. Mais quand même. Disons que c'est le minigun d'une équipe d'infiltration, quoi. Il est temps d'improviser. Pas spécialement l'impression qu'il s'attire très fort. En position. Okay. À ton signal. Lui, il a trop regardé. C'est con, ça va réveiller le voisin. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Dayarka. QG, trajectoire modifiée. On se prépare à lancer l'ogive. Attention, la zone est couverte par plusieurs tours LV-75 montées. Compris, j'envoie le bataillon Badger dégager le passage. Terminé. On lance ce truc. Les serveurs, ça. Allez, lance l'ogive. Vous avez des serveurs, quand même. Voilà. Wow. C'est lourd, mais c'est... QG bien reçu. C'est bon. C'est du beau travail, messieurs. Entendu ? C'est Rourke. Il est ici. Ils évacuent grâce au train plus bas. Merrick, le missile est parti. On sait où se trouve Rourke. On va le poursuivre. Dégagé, Tesh. Retourne au point de ralliement. On va le traquer ensemble. Pardon, Merrick. Mission est finie. Pas la nôtre. Je pense être enfoiré. Et voilà. Et... J'ai bien fait. Bon, il reste encore deux épisodes. Pas, si ça tombe dans un épisode, c'est que... Non, mais il y a encore deux missions. Ouais, c'est un épisode, vu que généralement... Hein. Enfin, ouais. Pas que on fasse une mission, un épisode, mais bon. Ouais, on va recommencer un épisode. Ça dépend aussi comment je joue, si je joue comme une rébus et que je me fais tuer toutes les deux secondes. Ouais. Si je fais le chacal comme ici, je vais derrière eux. Mmh.
qui m'ont repéré. Oh. Il est passé lui par contre. Là, je vois pas, il est trop dessus. Non, il est là. Mon effet en plus, ça va être là. Faut y aller parce que là. Mais bien, mais. Mon pote, si t'avances pas, on va mourir. Même si c'est pas trop logique qu'ils arrivent tout le temps, qu'à ça, c'est un frontière qui n'a aucun autre côté. Et immense aussi le jeu, ça sert. Tu veux me dire, c'est pour transporter des chats, trucs comme ça, mais immense. Ah, mais comme d'habitude, hop, voilà, si on dégage. Équipe de tir bloquée au secteur 3-1, on avance vers la zone de chargement. Bien reçu. C'est le train de Rourke, 3 devant. J'ai envie de tirer les grenades. Ça. Bon, et tiens, on va changer de registre, hein. À la prime là. Eh merde. C'est à droite, il faut aller, c'est à gauche. C'est à droite, c'est à gauche. Ou... Je dirais à gauche. Ah ben. Les Ghosts ont sécurisé le secteur, le missile arrive. Envoyez toutes nos forces vers l'objectif principal. Les unités de la compagnie B recevront un appui aérien près des installations. Les canons de DCA vont tout détruire dans le ciel, y compris notre missile. Nos blindés vont devoir détruire ces tourelles. Il nous faut un appui aérien au pont. Reçu, les A10 sont en route. Avancez, Badger 1, le pont est dégagé. On est des chats, on s'en fout. Tout. Ah. La frappe a été efficace. C'est la frappe. J'arrête quand t'as un chien, tu fonces. Ouais, mais c'est pas non plus indestructible, un chat. Costaud quand même. J'ai pas dit que c'était pas costaud, mais bon. Je veux pas dire non plus qu'il faut faire attention à ce que tu fais. Et il porte aussi un jeu film. Un jeu film. Oui, c'est un film. Un jeu pas réaliste. Ah ben, on est dans la zone cible. Neutralisez les tourelles. C'est un divertissement, c'est tout.
Ça continue à parler, donc évacuer la zone. Le missile approche de votre position. Je répète, non, c'est bon. Le missile approche. Je suis passé le moyen. Hein. Je pense que ça, ça me rappelle Walking Dead. Le premier épisode, ouais. Oups, je me suis trompé. D'ailleurs, dans Walking Dead, ils ont ce qu'ils veulent, des chars, des machins. Et garde rien. C'est vrai. Ils font faire des dégâts. Ils font se rassurer des sur les zombies. Je vais dire. Les autres survivants auraient un peu plus de peur à les attaquer, auraient un peu plus envie de les attaquer, ça dépend du point de vue. C'est bon, il y a une tablette là. Non, c'est pas une tablette, je pense. Une tempête. Ah, une tempête. Lancez l'attaque. Bien reçu, deuxième étage, séparé. Guidage vers la cible. Ok. Ah oui, bon, on va peut-être s'arrêter là. Merci de nous avoir regardés. On vous remercie, n'oubliez pas de liker. Et de vous abonner. Et de regarder les vidéos, monsieur. Aussi. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.